émission Le Temps de l'éclaircissement. Votre émission Le Temps de l'éclaircissement. La émission Yadiloba Nzambe. C'est l'émission de la parole de Dieu. Il y a ensemble des saints. C'est pour l'ensemble des saints. Nakati ya Aiwa. Ici à Arivoron. Et puis ça m'a dit nos frères Kiala Kimbembe Meda. Et l'émission est donnée par votre humble serviteur, le frère Kiala Kimbembe Meda. Et na interprétation, tous allez na bien-aimé Mienga Thierry. Et à l'interprétation, nous avons notre bien-aimé frère Thierry Mohenge. Et Nangolo Nazambe, tu es bien que contact Nabisio Salaka 081 168 11 59. Et par la grâce de Dieu, notre contact est le 081 168 11 59. Ango tozali ko saluer d'abord Bayo Kinyon Sonakati ya Aiwara. Voilà pourquoi nous saluons et tous ceux qui nous suivent en ligne et Bibisika Biso et partout. Tozali ko se recommander d'abord et pa ya Nzambe. Nous allons sur nous. Kombo na yo etalisama na yango mowa. Que ton nom puisse se faire voir au Seigneur. Loboko na yo na nguya yango esala na yango minene na kati na musala oyo. Que ta main puissante puisse faire de grandes choses pour ce travail. Ngana kita yo monana. Que nous descendons et que toi tu puisses prôner. O se manifester na yo Nzambe na biyano mowa. Que tu te manifestes Seigneur Jésus Christ. Na pleine autorité na yo Seigneur. Avec ton autorité Jésus. Au visiter Ebele na batu bazali kolanda Radio Simba na Osika. Que tu visites toute personne qui est en train de suivre la Radio Simba. Na kombo na Yesu Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Oui, que le Seigneur Jésus apambola moko na moko. Que le Seigneur Jésus bénisse tout un chacun de nous. Ngolo na Yesu Christ ezala likolo na yo yozali kolanda biso. Que la grâce du Seigneur soit sur toi qui est en train de nous suivre en ce moment. Tozali d'abord kopesa ba programme tozana yango awa na ensemble de saints na Ariwara. Nous sommes en train de donner d'abord le programme que nous avons ici à l'ensemble des saints d'Ariwara. À partir de jeudi. Dimanche. À partir du jeudi jusqu'au dimanche. Les après-midi. Tous allez na enseignement sur qui est Jésus-Christ. Nous avons un grand enseignement sur qui est Jésus-Christ. Et kosale manali banda etando na biso. Ça sera en plein air de l'ensemble des saints. Et kobanda parti à 15h30. Ça va commencer de 15h30. Et 18h. Jusqu'à 18h. Qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Et en bon des thèmes que nous développons. C'est ça qui est notre thème que nous allons développer. Lieu et que nous allons en Malé. Les lieux, ce sera à Malé. Baoyonions place ensemble des saints à Malé Zali. À l'ensemble des saints de Malé. Nalibanda na yango. En plein air. Des enseignements séminaires et que nous allons à 4 jours. C'est là où il y aura notre séminaire de 4 jours. Alors, tous au benga, bafandi nions, y a Ariwara, y a Aru aussi. Et nous appelons tous les habitants d'Ariwara et de Aru. Et Zinga Zinga, bao bazali kolanda biso. Et des alentours qui sont en train de nous suivre. Baya kolanda, la parole du Seigneur. Qui viennent suivre la parole du Seigneur. Et komami na katia mitungisi na bango. Il est écrit dans leur détresse. Ba bele la ki pa Yahweh. Ils ont appelé à Jésus-Christ. Yahweh ayanolaki. Et Jésus-Christ les a répondu. Katina kotinde la bango liloba. En leur envoyant la parole. Pe liloba et bikisaki. Et la parole leur a sauvé. C'est pourquoi tozali ko croire que la parole oui ko zala annoncer yango moko ko résoudre ba problème. Et c'est pour cela que nous croyons que la parole qui sera prêchée, c'est la parole qui va résoudre tout le problème. Que la paix du Seigneur ezala na moko na moko. Kimia na nkolo ezala na moko na moko. Donc rendez-vous tozana yango de jeudi jusqu'au dimanche. Donc le rendez-vous est du jeudi au dimanche, jeudi 23 au dimanche 26 décembre 2021. Chaque 15h30. Chaque 15h30. Dès l'enseignement est causala na étando ya assemblée des saints Malé. Et là il aura l'enseignement en plein air à l'assemblée des saints de Malé. Et thème est causala sur qui est Jésus-Christ. Et le thème est sur qui est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Toujours dans le texte, nous lisons notre texte dans le livre de 1 Corinthiens. Dans le livre de 1 Corinthiens, parce que Yangonde toujours continue de développer par la grâce de Dieu. C'est le thème qu'on est en train de développer par la grâce de Dieu sur les dons spirituels.
Makabo ya molimo. Donc on marque déjà sur le don spirituel dont il y a parler en langue. Nous sommes déjà sur le don de parler en langue. C'est ça qu'on est en train de parler. Et on est en train de continuer sur par ça. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Si le Seigneur nous aide par sa grâce, nous allons entrer dans un autre don. Dans un autre don. Tous verset deuxième. Nous prenons 1 Corinthiens 2. Tous tanga à partir à verset donc à 1 Corinthiens 14 à partir à verset 2. 1 Corinthiens 14 au verset 2. Et le verset 5. Jusqu'au cinquième verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tout tangi na kombona Yesu. 1 Corinthiens 14 oui. 2 à 5. Nous oui. lisons au nom du Seigneur. Amen. En effet. Nayango. Celui qui parle en langue ne oye parle pas aux hommes. Oye azolo bana kota mosusu. Azali kolobe pa batote. Mais à Dieu. Azolo ba ipa nzambe. Car personne ne le comprend. Motota azali kososola elobeli na ye. Et c'est ton esprit qui dit des mystères. Et azali koloba mabomba miwana na molimo. Celui qui prophétise au contraire. Oye azo sakola. Parle aux hommes. Azolo bande papa. Les édifie. Azali ko lendi sabango. Les exhorte. Azali ko lendi sabango. Les console. Azali ko bondi sabango. Celui qui parle en langue. Oye azali ko lobana kota mosusu. S'édifie lui-même. Azali ye moko ko milendi sa. Celui qui prophétise édifie l'église. Oye azali ko sakola azali ko lendi sa eglésia. Je désire que vous parliez tous en langue. Na Zana posa nazo sepela ete bolo babino nyonso na kota ya sika. Encore plus que vous prophétisiez. Mais oui, le ki koleka ezali bosakola. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Oya zali kosakola ale ki oya zali koloba kota ya sika. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'église en reçoive de l'édification. Amen. Ce qui oya zali koloba en langue azui nimbola ezana lolenge mosusu. Et puis libota ezwa nimbola ya makambo yango. Que Dieu bénisse les lectures. Nous avons pu faire voir. Le Seigneur a besoin de tout le monde. Le Seigneur a besoin de tout le monde. Il a besoin d'atteindre tout le monde selon ce que lui a préparé. Il a besoin d'atteindre tout le monde selon que lui l'a préparé. Vous voyez quand l'Eunuque éthiopien rentrait en Éthiopie. Dans Acte 8. Le Dieu était avec, avait besoin de lui. Azui Philippe a mémié na mo pepeti a kine kote ya Eunuque éthiopien na char na. Il a pris Philippe et l'a amené l'Eunuque éthiopien par le vent pour qu'il puisse le prêcher. Les dieux que to sale la casa fidèle. Le Dieu que nous servons est fidèle. Soka bongisi ke yo oyeba liloba na ye. S'il a préparé que tu puisses connaître sa parole. Ako tinta baumbu na ye na tinete baya kote ya liloba. Il va envoyer ses serviteurs afin qu'ils puissent venir prêcher sa parole. Tango zana boyebi te. Quand tu n'as pas la connaissance, ezaliwa. C'est la mort. Libota o elingaka boyebi ya nzambe te. Tout peuple qui n'aime pas la parole de Dieu, la connaissance, Bazana, ils sont sous la mort. Il faut koyeba ndenge makambo nzambe ezali. Vous devez savoir comment est-ce que les choses de Dieu marchent. Parce que soko sosolite, parce que si tu ne comprends pas, l'ennemi akoya komema yo na banzela o eza ya malamu te. L'ennemi viendra pour te détourner d'un bon chemin. Et soko zui mena. Le verset 4. Si tu prends le verset 4. Nazui d'abord Amos. Nous prenons le livre d'Amos. Quand un peuple ezoboya la parole. Quand un peuple rejette la parole, le Seigneur a ko privé bango aussi abondance na ye. Le Seigneur leur va aussi leur priver son abondance.
Et comme en Israël, ils avaient des choses qui étaient physiques, si Dieu veut qu'ils puissent bénir, il va bénir leur champ. Il va bénir leur progéniture, leurs enfants. Il va bénir leur voyage, leurs travaux. Il va ouvrir le puits du ciel pour qu'ils puissent avoir de l'abondance. Voilà pourquoi je donne le livre du prophète Amos, chapitre 4, verset 7. Et moi, je vous ai révisé la pluie. Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville. Et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie. Et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Donc, c'est une prophétie qui annonçait quelque chose qui arrivera à ce temps. Aujourd'hui, nous sommes en abondance, Israël a la sécheresse. Aujourd'hui, nous avons l'abondance et Israël a la sécheresse. Par rapport à Matthieu 23. Par rapport à Matthieu 23. Dans verset 37e, la 38e. Verset 37 et 38. Matthieu 23. Matthieu 23. Le Seigneur a s'adressé à Israël. Le Seigneur s'adresse à l'Israël. Verset 37 à 38. Verset 37 à 38. Jérusalem, Jérusalem qui tue le prophète. Jérusalem, Jérusalem, Bokopo Mabasako. Et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble et se pousser sous ses ailes. Lokola soso ya mwasi ya sangisaka bana na ye na mapeka na ye. Vous ne l'avez pas voulu. Bolinga ki angote. Tala verset 38. Hein? Regarde le verset 38. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Talanda kona bino ekotika la yakokauka. Donc ekozanga la pluie ekozanga mai. Ça manquera la pluie, ça manquera de l'eau. Mais biso ceux qui t'ont dit mes paroles. Mais nous si nous acceptons la parole. Jean 7 tesoro babona verset 37. Jean 7 verset 37 dit ceci. Les derniers jours, les grands jours de la fête. Namokola suka ku mokolo ya milulu. Jésus se tenant debout s'écria. Yesu a telema ki pe a gangi. Si quelqu'un a soif, soki mok moto moko azana posa ya mai, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Aya ipai na ngai pe a mela. Celui qui croit en moi, oyo andimeli ngai, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ba itando ya mai ya bomo eko kozala na bom na comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'était pas encore été glorifié. Donc il se faisait voir. Le fleuve d'eau vive et koya et pas ya mutako croire la parole. Le fleuve d'eau vive viendra chez celui qui va croire à la parole. Donc la première des choses. Donc la première des choses. Il faut croire à la parole. Il faut dire la liloba. Côté le mela la parole te. Ne te mets pas côté le mela liloba te. Donc ne lâche pas la parole disons. Oui. Éphésiens 1 13 Robi. Éphésiens 1 verset 13 dit. Parce que ça n'a zéla ou anande zambazo se manifeste avec conformité à l'écriture. Parce que c'est dans ce chemin-là que Dieu se manifeste avec la conformité des écritures. Dans le verset 13 à Ephésiens 1. Ephésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, naïe binope, après avoir entendu la parole de la vérité, na simakoyo kaliloba ya solo, l'évangile de votre salut, l'évangile ya lubi konabino, en lui, vous avez cru. Voilà. Bondimeli. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, ceux qui ont dit la parole. Donc, si vous croyez à la parole. On dit le Seigneur Jésus-Christ. Tu acceptes Jésus-Christ. Le Seigneur a pardonné tes péchés. Le Seigneur pardonnera.
pardonnera tes péchés. Parce qu'il y a qui pour bénir le peuple. Parce qu'il était venu pour bénir le peuple. Bénédiction est qui n'est en gros, c'est dans acte 3, verset 26. La bénédiction qu'il est venu avec, c'est dans acte 3, verset 26. Acte 3e, verset 26e, je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est à vous premièrement que Dieu. Et ça, et pour la binote, il y a Yahweh. Donc pour la binote, Yahweh. Ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. En détournant chacun de vous de ses iniquités. Voilà. Donc Zambé, tangu Yesu aye ko se sacrifier. Donc Dieu, quand Jésus est venu se sacrifier, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Ndenge acte 3 verset 26 c'est le but. Comme acte 3 verset 26 est en train de bénédiction Ezali. Quelle est cette bénédiction? Azo longola masumu na kati na biso. Il est en train de ôter le péché en nous. Donc tangu Jésus bolimbi sia masumu, quand tu as le pardon du péché, le Saint-Esprit ne s'oppose pas aux Écritures saintes. Donc, si tu as la parole de Dieu, tu ne t'opposeras pas à la parole de Dieu. Si tu crois à la parole, tu ne t'opposeras pas aux Écritures saintes. Ta vie, faut t'aller en haut d'abord malam. Bon, moi, il y a eu et c'est que tu as malam. Est-ce que au télémé la kamakamazambe? Est-ce que tu t'opposes à la parole? Nazinda qui ça? Nous prenons encore un exemple. Esaïe 9, 5. Esaïe 9, verset 5. Esaïe chapitre 9, verset 5e. Le prophète Esaïe 9, verset 5. Oui, frère Thierry, à votre temps, il y a vu ça. Le frère Thierry va lire pour nous. Esaïe 9, verset 5, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car un enfant nous est né, moi na moko abotame libiso. Un fils nous est donné, moi na moko abesame libiso. Et la domination reposera sur son épaule. Bo konzi ekozala na mapeka na ye. On l'appellera admirable, makobenga ye moto malam, conseiller, mopesi toli, Dieu puissant, Aza Zambe Nanguya, Père éternel, Yende Tata Yaseko, Prince de la paix, Yende Mokonzi Akimia, voilà. C'est comme cette écriture. C'est l'enfant qui naîtra. Yende Tata Yaseko. C'est lui qui est le Père céleste. Est-ce que Yoyo Zambe? Et c'est que celui que tu pries. On dit magama comme Zambé. Tu acceptes les extrêmes écritures. Moi non, Zobota, maye moko tata ya seko. Ce fils qui est en train de naître, c'est lui qui est le Père céleste. Alors tala kundima na yo. Alors regarde ta foi. Parce que moto ya lobi ke nazo croire a ko doutete na parole. C'est lui qui dit qu'il croit, il ne doute pas à la parole. A komi kitisa liboso ya liloba. Il va s'humilier devant les écritures. Donc c'est qu'il faut na yo comprendre. Donc en toi tu dois comprendre. Tango na zoro ba kenandi meli nandi meli. Quand tu dis que j'accepte la parole. Ndimande ili lobete ya mi la Bible. Il faut accepter la façon dont la parole est prêchée dans la Bible. Sobozo tele mela o ete ya mi na Bible. Si tu t'opposes à ce qui est écrit dans la Bible. Ba oyo ba komaki yango, ba oyo ba pesaki makamba ngo c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ceux qui ont écrit ces choses, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et toi aussi. Tu dis que tu as le Saint-Esprit. Comment maintenant Saint-Esprit na yo na Saint-Esprit Esaïe Zokesan? Comment est-ce que ton Saint-Esprit et le Saint-Esprit d'Esaïe c'est différent? Saint-Esprit Esaïe pas Esaïe. Le Saint-Esprit qui est en Esaïe. Il a dit que moi nous akobota mayende tata ya seko. A dit que le fils qui naîtra c'est lui le Père céleste. Est-ce qu'on dit mal que Jésus-Christ est le Père éternel? Est-ce que tu acceptes que Jésus-Christ est le Père éternel? Nazali awawa na mission na lolenge ya kososolisayo makomami ya Zambe. Je suis ici dans l'émission pour te faire comprendre les saintes écritures. Souci na ngai ezali o sosola soki oza na position malamu to te. Mon souci est que tu puisses comprendre si tu es dans une bonne position ou non.
C'est ça la plus grande chose. Le travail que je suis en train de faire, c'est simplement ça. C'est pour cela quand les gens ont reçu le Saint-Esprit. C'est comme ce que Dieu a dit dans Jean 7. 37-38. 37 verset 38. Le fleuve d'eau vive. Le fleuve d'eau vive. Donc lokoleza ya maya pomoy. Comme c'est l'eau de la vie. Et kotali samisala. Cela va faire voir ses travaux. Li boso elongoli li sum. Premièrement, il ôte le péché. Et longoli komi pesa na mokili. Ça ôte le donner, se donner dans le monde. Et mitema na batu kangameli ne pas amen. Et le cœur des hommes sont qu'à Dieu. Voilà pourquoi nous disons que c'est l'esprit qui vient donner le don. Comme nous avons lu dans 1 Corinthiens 14, nous voyons comme le travail est en train de se faire. Église, l'église, c'est pour Jésus-Christ. Personne sur la terre né Dieu d'un père et d'une mère peut se déclarer le propriétaire d'une église. Jésus-Christ qui l'a écrit dans Matthieu 16. Nous allons les lire. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. À partir du verset 16. À partir du 16e verset. Oui, batangela. Nous disons au nom du Seigneur, Matthieu 16, verset 16. Simon Pierre répondit. Simon a pété la yanolaki. Tu es le Christ. Ozali. Christo. Le Fils du Dieu vivant. Moi, nanzambe ya bomoi. Continue. Verset 17. Jésus reprenant la parole. Jésus a zongela ki a lebi liloba. Lui dit, tu es heureux. Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le verset 18, et moi je dis, je t'ai dit, tu es Pierre, et sur ce roc, Fils du Dieu vivant. Amen. Sur ce roc, oui. J'ai bâtirai mon église. Donc Jésus à l'oba a bâti son église. L'église est à Yahyé. Mon église. Amen. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Amen. Donc c'est Jésus a dit mon église. Jésus a dit mon église. Église est à Jésus. L'église est à Jésus. Personne ne peut sortir ici et dire que je suis propriétaire d'une église. Rôle église zambe atie banana ye ba croyant. Le rôle de l'église, Dieu a mis ses enfants, les croyants. Pona ba tonga makotonga mana bango balendisa mananzela ya ba makabo oyazopesa. Pour se construire à travers les dons qu'il est en train de donner. Et pona ba mibongisa pona kozela linetwa. Pour s'arranger afin d'attendre l'enlèvement. Linetwa izali la Bible. L'enlèvement est dans la Bible. Comme Jésus a kendaka. Comme Jésus part. Il est monté au ciel. Ceux qui ont cru en lui, quand il reviendra, ils seront transformés. Ce corps terrestre, nous allons laisser si nous gardons la foi. Et nous allons porter le corps céleste pour être enlevé. Voilà pourquoi nous disons que l'église n'est pas pour une propriété privée. Jésus-Christ a dit que je bâtirai mon église. C'est à Jésus-Christ. Donc l'église est à Jésus. Or Jésus-Christ c'est la parole. Or Jésus-Christ n'est l'iloba. Donc église
mokonzi église s'appelle la parole de Dieu. Donc le propriétaire d'une église s'appelle la parole de Dieu. Apocalypse 19. Nous voyons ça dans Apocalypse 19. Verset 12. Apocalypse 19, verset 12. Non, 13. Et 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Ce qui est mon côté. Le verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement. Son nom est la parole de Dieu. Voilà kombonaï. Quand on dit la parole de Dieu. Ce qui balobi liloba nanzambe. Nous prenons un exemple. La parole ya Thierry. Liloba ya Thierry. Et talisaka Thierry yemoko. Ça fait voir Thierry lui-même. Soko longoli parler na kati ya Thierry. Quand tu enlèves le parler en Thierry. Thierry a commis baba. Thierry devient sourd. Muet. Hein. A commis baba. Il devient muet. Donc. A kolobaso te parce qu'il va botoni malobanios. Donc ce balobi. Quand on enlève toutes les paroles de Thierry, il n'a plus la parole à dire dans sa bouche. Et c'est comme Balobi, la parole de Dieu. C'est comme on a dit la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Parce que la parole est engagée à Kamutuana et moi. Parce que la parole engage personnellement la personne. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Je bâtirai mon église. C'est lui qui dit qu'il bâtira son église. L'église est l'église de la parole. L'église des alliés et qu'elles y a l'iloba. Donc l'église, la parole. Et qu'elles y a l'iloba. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Ouais, c'est lui qui est appelé à l'église. Que ce soit le prédicateur. Que ce soit le fidèle. Tout ce qu'il fera. Que cela soit dans les saintes écritures. Et qu'il ne mêle jamais enseignement à l'apôtre. Que cela ne s'oppose pas à la doctrine des apôtres. Et la parole. Et la parole. C'est lui qui est le propriétaire de l'église. Il a sa façon d'organiser les choses. La parole de Dieu. L'iloba nzambe. Ce qui n'est pas lui, il faut éloigner. Il doit être écarté. Parce que c'est son église. Faut tes alliés qu'elles y en aient. Ce qui n'est pas lui. Ce qui n'est pas la parole. Il faut le voir. Doit être écarté. Parce que l'église doit appartenir. Parce que l'église appartient à lui seul. Qui peut me montrer celui qui est le propriétaire d'une église? Tu le connais? Jésus a dit, il bâtira son église. Yesu a loupa qui a kotonga et kelezi anaye yaye moko. Donc, Bokosa la kolanisama chef d'entreprise. Donc, vous allez faire selon le chef de l'entreprise. Apesi mateya naye epaya basali naye. Il a donné sa prédication chez ses serviteurs. Et l'autre zambazo senga pona mosali nyo. C'est que Dieu demande à tout serviteur. Dans 1 Corinthiens chapitre 4. Dans 1 Corinthiens chapitre 4. Dans le verset 2e. Le verset 2. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Totani na kombo na Yesu. Tangango. 1 Corinthiens 4, 2. Du reste, nawe tikali. 5 au demande des dispensateurs. Oyo bazo senga na ba oyo bazali ko kabolangolo na zambe. C'est que chacun soit trouvé fidèle. Motonio son azala na semba na kat na likambo azala na nzela. Oyazotosa. Amen. Basenga ka fidélité. On demande la fidélité. Oyate na église yangana. Tu peux pas venir parce dans l'église. Parce que l'église est à mon côté na mabé. Parce que l'église n'est pas une propriété privée ici sur terre. L'église est à Jésus. L'église est à Jésus. Il est colo église. C'est lui le propriétaire d'une église. Makambu ya loba. Les choses qu'il a dit. Ne fait ça le man église. C'est ce qui doit se faire dans l'église. Au moins que ça une assemblée. Il y a
À moins que ce soit une assemblée qui ne font pas les choses de Dieu. Mais si cela est appelé une église, c'est que l'église est à Jésus-Christ. C'est que cela doit suivre les ordres du propriétaire de la maison. Propriétaire de l'église, c'est la parole de Dieu. Kolo et Kélez Andeli Lobanzambe. Donc, si tu fais quelque chose, il faut t'aller à la parole de Dieu. Tu dois regarder la parole de Dieu. L'enseignement. L'enseignement des apôtres. Et Zanatina. Ah, c'est là une utilité. Il y a un étali par la langue. C'est pour cela ce qui concerne le parlant langue. Il faut éloquer ses salements. Tout ce qui est entré dans l'église. Et Zanatina, la parole de Dieu, le propriétaire de l'église. Que cela doit se faire selon la parole de Dieu, le propriétaire de l'église. Enseignement ou apesimisme. L'enseignement qu'il nous a donné dans les Écritures. Et Zaboué. Cela est ainsi. Parler en langue. Kolobanaba kota. Et Zamotoazoloba, ba mystère. C'est une personne qui est en train de parler de mystère, mais ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de dire. Mais on est en train de dire, une personne est en train de parler en langue. Il est en train de parler avec Dieu. Et ce qu'on continue toujours, texte, il y a 1 Corinthiens 14. Si tu continues dans 1 Corinthiens 14, ils ont dit que ceux qui osent le bandimbola esaté. Si tu es en train de parler et il n'y a pas l'interprétation, tais-toi. Il faut se taire. Kangamuno. Et le but des moines, la parole. C'est ça la parole à travers l'apôtre Paul. Au côté dans une église, tu vas entrer dans une église. Au moment où tu vois un prédicateur, à ce micro, il prend le micro. Bah ici, papa Sambela. On lui dit, papa prie. Abandi langue. Il commence le la langue. Langue en peka kaba même mot. Donc ceux qui l'ont bien obagi undabashiraka. Et cette langue est répétitive. Ndabashiraka, ndabashiraka. L'obé le sousou, ndabashiraka. Demain encore, ndabashiraka. Azobé nango kota. On appelle ça le parler en langue. Kota, babé nango langue. Exacte phrase, Mogo. Ce n'est pas une seule phrase. Nous avons 45 minutes. Nous avons 45 minutes dans notre mission. Donc, ce que na kati na yango, c'est que dans ça, et Seigneur, na o comprendre. Tu dois comprendre que parler en langue, que le parler en langue, ce qui interprétation exacte. Si il n'y a pas l'interprétation, dimola exacte. Bible le dit kolobango na église. La Bible dit tais-toi. Ou bien lobango na ndako. Ou dis cela dans ta maison. Sambela yomoko na Nzambe. Prie seul avec Dieu. C'est ça la parole du Seigneur. C'est ça la parole. Sambela yomoko na Nzambe. Parle, prie tout seul avec Dieu. Mais tout le monde a gagné des spectacles. Mais nous voyons des spectacles. Oh, Asimbi micro. Celui-ci tient le micro. Il dit en langue. Il parle. Soit Asimbi micro. L'autre parle. Alobi alang. Il parle en langue. On a peuple et on a connaissance. Et on dit ah, bataille n'anga baza spirituel. Mais là, le peuple qui manque la connaissance dit que mes prédicateurs sont spirituels. Oh, Yazoloba. Azo prophétiser. Celui qui prophétise. Azo s'adresser aux hommes. Il s'adresse aux hommes. Ah, yende église. Le Seigneur azo permettre que batouba yo kaye. C'est lui l'église et le Seigneur permet. C'est ça la parole. Yangonde liloba. Donc, ce qui osana parler en langue. Si tu as le parler en langue. Exactement, parler en langue. Que cela soit vraiment le parler en langue. Exactement, répétition à deux mots. Que ça ne soit pas une répétition de deux mots. Exactement, vraiment parler en langue. Que ça soit vraiment le parler en langue. Parce que l'église appartient à Jésus-Christ. Parce que l'église n'est qu'à Jésus, lui le propriétaire. Ceci. Demandez, on vous donnera. Senga bako pesa. Donc, ceux qui ne tous en parlent en langue. Si tu as le parler en langue. Et que ndimbola ya langue ezate. Et que l'interprétation du parler en langue n'y est pas. Senga e pas nzambe. Demande à Dieu. Et que parler en langue nanga oyo nazwaka pe ndimbola. Et que mon parler en langue, que j'ai aussi l'interprétation. Il y a parler en langue, langue des hommes. Il y a le parler en langue comme langue des hommes. Tomonaki ango jour à Pentecôte. Nous avons vu ça le jour de la Pentecôte. Na acte 2. Dans acte 2. Sokotangi acte 2e. Si vous lisez acte 2. Bato bayaki bayaki kokuta ba o bazali na chambre haute bazali koloba kota ya sika. Ceux qui sont venus trouver ceux qui étaient dans la chambre haute qui parlaient en langue.
Ils parlaient en langue, une nouvelle langue. Mais ils parlaient leur langue. Nabandia va partir, il y a verset. Premier. Nous commençons par le premier verset de Actes 2. Oui, frère Chéraotan. Nous allons lire. Le jour de la Pentecôte, Mokolo na kitera, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Bazalaki banso na esika moko. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et tonda kinda komo bimba esika bazalaki. Des langues semblables à des langues de feu. Balolemo oye kokanile tilolemo ya moto. Leur apparurent séparées les unes des autres. Et bimaki na mitu na bango, il faut yebake balo leur apparurent séparés les unes des autres et se posèrent chacun d'eux sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce n'est pas le parler en langue, on apprend à une personne. Comment ça parle? Le parler en langue viendra. Non, diabolique. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs en pied. Nzoka ezalaki na mikolo na Jérusalem, ba Yuda. Bato na sembo de toutes les nations qui sont sous les ciels na bikolo nyoso ezali na se ya makolo au bruit qu'il y a na makelele oyo ezwaki la multitude a couru bato bakimaki et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue parce que bazalaki confondu po na moto na moto abandai koloba na kota na ye moko omoni owozala. Vous voyez, tu pars au Congo central. Et là-bas, ils parlent les Kikongo. Mais le Seigneur peut te donner un message. À travers une personne qui parle Kikongo. Mais il parle le Lugwara. Mais tu connais très bien le Lugwara. On s'exprime aussi dans d'autres langues mensongères. Mais mais ici dans acte 2, malandi bazoyo kabango bazolobela bango na balang oya mboka na bango. Ils sont suivis, ils sont en train de leur parler dans leur langue maternelle, dans leur langue du village où ils sont sortis. C'est ça la Bible. C'est ça yango de Biblia. Mais attention que ça ne soit pas le mauvais esprit qui te parle. Il faut eloko oyo zolanda ekokana na oyo komami ne likomi ya Nzambe. Il faut que ce que tu es en train de suivre soit conforme aux saintes écritures. Kokanga manelo kote po moni yango nde pa mutu moko boye. Ne t'attache pas à une chose parce que tu as vu ou entendu chez une personne. Non, tu dois lire ça dans les saintes écritures. Le Seigneur a pesaka grâce excellente. Le Seigneur donne une grâce excellente. Don parfait. Le don parfait. A pesaka yango. Il le donne. Soko leli e pa na ye. Si tu pleures chez lui, o sengi ya pesa. Tu lui demandes. Ako fongola likabwa ki toko na katina. Il va ouvrir des très bons dons en toi. Parce que déjà Nzambe a tiango na disposition église. Parce que Dieu a mis ça dans la disposition de l'église. Que le Seigneur Jésus-Christ a pambo la binomi. Nzambe a pambo la binomi oko na moko. Naibi ke Nzambe azamo kontinamas. Je sais que Dieu est le maître de tout. Tam tozo lobaka boye. Quand nous sommes en train de parler ainsi. Tozo lingato talisa. Nous voulons faire voir. Que l'église est kambamaka na makanisi ya batote. Que l'église ne se conduit pas avec les pensées humaines. Eloko ya mbwe tiama na iglesia avant qu'une chose puisse s'y passer que les enfants de Dieu puissent s'y mettre il faut ça la parole de Dieu. Cela doit être dans les saintes écritures parce que l'église c'est ça comme tout parce que l'église n'est pas pour une humain oh esa église ou ce qui est l'église n'est pas pour une personne physique esa ya Jésus-Christ c'est pour l'église est à Jésus et c'est Jésus-Christ qui règne dans les. C'est Jésus-Christ né à Konzaka. Jésus, c'est la parole. Jésus yende liloba.
La église, c'est la parole qui domine. Dans l'église, c'est la parole qui domine. Les gens intelligents, ça va tout. Ce n'est pas l'intelligence humaine. La sagesse à montrer. Ce n'est pas la sagesse humaine. Mais c'est le Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui domine. Par sa parole. À travers les Saintes Écritures. Les dominera dans l'église. C'est ce qui domine dans l'église. Et donc, on y a ce que c'est dans l'église. Tout ce qui se fera dans l'église. Il faut ça d'après les enseignements des apôtres. Cela doit être issu dans les Saintes Écritures. Et des prophètes. Et des prophètes. Totangi, Ephésiens 2, verset 20. Nous lisons Ephésiens 2, verset 20. Nous les lisons au nom du Seigneur. Le frère va lire. Ephésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Na moboko ya ba toma pe ya ba sakoli. Jésus-Christ lui-même était la pierre angulaire. Kolo Yesu Kristo ye moko azali banga we simbi na coin. En lui tout édifice. Bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Tu écoutes comme on est en train d'écrire. C'est en lui, en Jésus. Et pas inaïe, l'église ne croit pas en dehors des Écritures. En dehors de l'église, c'est un stade. Tu peux être là, l'église est comme un stade. Il y a une multitude de personnes. Mais quand les choses se font en dehors des Écritures, c'est en lui. On a dit c'est en lui. Tout édifice est allé coordonné. Et ton amélignon sur Ezali qui a cotonga. Et son tongama. En lui là, c'est la parole de Dieu. En lui, na kat na ende lilo bananza. Ceux qui vont ensemble là. S'ils vont prier. Na église vont ensemble là, selon la parole de Dieu. Et s'ils vont prier dans l'église, ils vont prier selon la parole. Il faut battre la nengi basusu basamba là inabi. Ils vont regarder comme les prophètes et les apôtres ont prié. Ceux qui m'abala koyaka. Si les mariages viennent. Bah botala m'abala dans la parole de Dieu. Ils vont regarder les mariages chez les prophètes et les apôtres. Ceux qui s'ils vont donner des gens pour prêcher, on va regarder la façon dont on a établi les ministres dans la parole. Parce que Jésus a dit que je bâtirai mon église. Parce que Dieu a dit que Nakotonga et Kélésia Nangaï. L'église n'est pas une humaine. Personne n'est propriétaire d'une église ici sur terre. Nord, sud, est, ouest. Nord, sud, ouest. L'église appartient à Jésus-Christ. Et Kélésia et Zalika et Yesseul. Yemoko. Alobi, je ne vous laisserai point en faire. Alobi, Akoti, Kabino, Banabazanga, Tata. Je serai toujours avec vous. Nakozala kaka na bino. Nanyuana. Qui ça? La parole de Dieu. Lilo banzambe. Il faut être connu sur ça, les mesala. D'après la parole de Dieu. Tout ce qui est en train de se faire doit être après la parole de Dieu. Presque na suka. Nous sommes presque à la fin de l'année. Et tozani d'abord qu'on passe un numéro na biso. Et nous passons notre numéro. Après ton petit programme tozana mona semaine. Et on a encore le programme que nous avons sur dans numéro cette semaine. Numéro na biso 081. Notre numéro est le 080. 168. 11. 59. 59. Et programme Nabisso. Et notre programme. L'assemblée des saints à Ariwara. Dans l'assemblée des saints ici à Ariwara. Tozali na enseignement. Nous avons un grand enseignement. Séminaire Kobanda partir il y a jeudi dimanche. Le séminaire va débuter à partir du jeudi 23 jusqu'au dimanche 26 décembre 2026. Du 23 au 26 décembre. Et qu'on sera toujours les après-midi à partir de 15h30. Ça sera les après-midi à partir de 15h30. Même les dimanches. Même les dimanches. Culte Kozala Kaka après-midi. Le culte sera toujours les après-midi à 15h30. Tous nous serons plein air dans l'ensemble des saints des Malais. Thème Nabiso Ezali, qui est Jésus-Christ? Notre thème est qui est Jésus? Oui, nao tango nazo sambela pona bino. En ce moment, je vais prier pour vous. Ko recommander bino no sona boko nazambe. Vous recommandez entre les mains du Seigneur. Seigneur, je sais que ozali zambe na bomo. Seigneur, je sais que tu es le Dieu de la vie. Osala ka bulamu po fongola ka banzela kitoko. Tu fais du bien et tu ouvres le chemin. Moko na moko oyalandi biso. Tout le monde qui nous a suivis.
qu'il ait la grâce venant de chez toi. Ceux qui sont malades, Kangola bango, Seigneur, donne la guérison. Fais-toi voir parce que tu es le Dieu de paix. Accomplis tes promesses parce que tu es le Dieu de paix. Je bénis tout un chacun qui a accepté cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On a rendez-vous na biso par la grâce de Dieu. Dimanche encore à 19h. Et notre prochain rendez-vous, c'est dimanche à 19h juste. La Radio Simba. Dans la Radio Simba. Et programme Nabiso et la semaine, Topesiango, jeudi et dimanche. Et notre programme de la semaine, c'est du jeudi 23 au dimanche 26 décembre 2021. À partir de 15h30, tous dans l'Assemblée des Saints de Malé. À l'enseignement sur qui est Jésus. Nous allons écouter l'enseignement sur qui est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nzambe à Pambola, mon konamo. Soyez en paix au nom du Seigneur Jésus. Vous allez kimia na kombo na Jésus Christ. Le directeur lui me dit c'est 30. Non, c'est 45. Ça m'a 30, c'est 10 dollars. Nous nous payons 15 dollars par dimanche. Quand il m'a dit que c'est 30 euros, c'est 45.